Waouh! Contracte! Oh, du caveau! Coup des arcs! Subroc! Salut à tous. Aujourd'hui, c'est curl, biceps. Alors, comme à chaque fois depuis la rupture totale du biceps droit, du tendon, eh bien, c'est toujours avec appréhension que je fais les curls biceps. Les tractions qui étaient mon mouvement préféré de tous pour le haut du corps. Workout, eh bien, ça c'est terminé. En tout cas, sans élastique ou avec poids. En plus de celui du corps, avec l'est, tout ça c'est terminé. Voilà, ou même d'autres mouvements qui sollicitent principalement le biceps. Ah voilà, je fais très attention. Voilà, et c'est donc pour ça que là, c'est. Je reprends avec des poids légers pour le biceps. Voilà. C'est-à-dire là, pour le curl biceps, à 7,5 kg. Voilà, toujours. Bon, après, j'augmenterai, bien sûr, petit à petit, mais. Voilà, alors qu'avant, de base, avant l'accident, cette blessure grave. Au bras, eh bien, à minima, je faisais donc le curl à minima à 10 kilos, 10, même 12 kilos, 12 kilos même, qu'est-ce que j'ai dit, non, à
minimum c'était 12 kilos. Voilà. Et là, ah ben quand j'ai repris après de mon rééducation après l'accident, oui, ben c'était même des cures avec des poids ridicules. Hein, c'était même de l'ordre du 3, 4, 5 kilos. Voilà, donc maintenant, puis là, dans le cadre objectif 100 000, eh bien, voilà, 6 kilos et maintenant 7,5. Voilà. Voilà, alors précédemment, donc j'ai fait à donc 15 par bras, 15 par bras, donc ça fait 30. Donc, puisque de base, série de 15. Donc, précédemment, j'ai fait 2 séries. Là, je vais en faire 3. Voilà. Toujours pareil. Jusqu'à arriver à faire les 6. Voilà. Et une fois que ça paraît trop facile, eh bien, augmenter le poids. Voilà. C'est le principe de base. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Bon là il se met à trop pleuvoir, donc je vais faire tourner la cam pour être sous la toiture.
voilà, de cette ancienne, très ancienne écurie qui maintenant sert de chantier donc du tout premier navire de la Gaudessart Company. Donc nommé Gaudessart Aude. Voilà, là c'est vraiment un truc à voir. Voilà, parce que la pluie, j'aime pas ça. Voilà. Voilà, j'aime bien la pluie que en trois conditions. Sous un toit, ou dans l'eau. Voilà. Pourquoi je dis trois conditions? Bon, ben, ça fait que deux alors. Voilà. Sous un toit ou dans l'eau. Voilà. J'ai fait beaucoup de plongées. Ça a été l'une de mes plus grandes passions, la plongée. Sous-aquatique, sous-marine. Et bien, là, sous l'eau, la pluie ne me dérangeait pas. Voilà, bon, alors, ouais, parce que là, il y fait tellement humide que même les planches dont je me sers, de maçon, hein, de chantier, de BTP, les planches qui servent là, à la construction du voilier, eh bien, là, il fait tellement humide que même pour les neuves, hein, celles qui de l'été dernier, eh bien, il y a carrément comme une sorte d'algue. Voilà, une sorte de mousse. Mais là, on dirait même plus de la mousse, ou c'est devenu glissant comme des algues, hein, sur les rochers, sur le littoral. Hein? Voilà, donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est humide. Voilà, on dirait que c'est de plus en plus humide comme ça, chaque année. Voilà, et que carrément la mousse ou les champignons laissent la place à ce qui ressemble comme ça à de l'algue. Alors que pourtant là on est quand même encore, même si l'estuaire et l'océan est tout proche, on est quand même bien sur le plancher des vaches. Voilà, bon. Oui, j'ai rajouté quatre playlists. Hein, ce qui fait que maintenant il y en a 112 playlists. Voilà. Voilà, j'ai rajouté ces playlists parce qu'il y a tellement de vidéos. Là, il y en a déjà plus de 600. On va arriver aux 700 en tout. Ne serait-ce que sur cette chaîne principale. Et donc, on va vite arriver aux 1000 et puis dépasser largement les 1000, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos, de sujets différents qui est nécessaire. Donc de bien d'autant de playlists, hein, pour bien séparer chaque sujet. Voilà, comme ça, à vous, viewers, et bien ça vous permet de, pour les sujets qui vous intéressent, tout ça, de pouvoir les en trouver plus vite sur les playlists. Voilà, voilà. Et là, ces nouvelles playlists, justement, c'est pour parler donc des deux grandes épreuves sportives et d'aventure. Donc donc celle de la première phase et celle de la seconde. Voilà, la seconde, notamment la Subcorac. Voilà. Voilà, et donc comme là je viens de faire une vidéo
de vidéo donc sur sur bon, allez, oula, les 5 minutes, c'est largement les 5 minutes qui sont passées, alors que 3 suffisent pour la pause. Bon, j'en parlerai plus tard. Allez, troisième série est terminée pour cette vidéo. Plus, c'était Ulrich.